Voilà, je suis sur la Darse de Grande Plaisance, vue du sud là. Voilà, je vais faire le tour dans le sens inverse d'une montre. Voilà, ici, le rebord assez bien terminé. Il y a même des plaques d'égout comme ceci. Enfin, des plaques d'égout. À mon avis, non, ils vont planter des arbres. Là. Ah, donc le pourtour. Allez, on va faire les pontons. Ah, c'est le premier ponton auquel on a accès en passant par cette porte argentée là-bas. Alors là, on peut contourner par ici. On va faire le deuxième ponton qui est accessible au premier. Voilà, ici même, il rejoint le ponton qu'on refait d'ailleurs. Pas complètement. On continue vers les machines là-bas. Là, il y a un autre ponton encore au loin. Là-bas derrière, c'est la base nautique. Là, la route en haut. Là, la route qui vient de là, hein, qui vient du Blues. Alors là-haut, au-dessus de la grue, là, il y a le cimetière avec ces arbres-là. Voilà, là-bas, il y a un bateau à quai. C'est peut-être là-bas où on va aller. Voilà ce fameux bateau vers lequel nous dirigeons, mais on est encore sur la Darse de Grande Plaisance. Alors là, un escalier d'accès, donc pour la porte là, qui conduit donc au ponton. Oh, la grue qui avance là. Il va chercher son taf de sable avec les engins. Alors elle va creuser. Again. Avec son long bras. Est-ce qu'elle va rester dans l'eau ou... Il y a un camion qui se casse là-bas. Voilà, il creuse un peu plus loin. Il grandit de la profondeur du bassin. Hein, le reflet dans l'eau là. Je viens de voir un petit poisson qui a sauté par ici. Donc il y a des petits poissons. Allez, on va quitter les pontons. Donc un dernier petit tour. Alors que ça travaille encore là-bas. Et nous, on s'en va. Ouais, la grue qui déplace une palette. Ah, c'est le lieu de stockage, là. Avec ses galets. Voilà, ils ont accroché une palette dans le camion. Et ils vont sans doute la tirer. Voilà, c'est une petite palette. Ils la déplacent. Il va la poser comme l'autre par ici. Enfin, elle semble... Ouais. Elle est récupérée par le travailleur en bas. Elle défait le truc et ça va être fini. Voilà le bateau, c'est l'île de la Réunion. On s'en est rapproché. À côté, il y a la plateforme Lisle-Geoffroy, la plateforme de drague. Et là, c'est le
Marie-Jeanne, la Marie-Jeanne, Réunion. Je crois que c'est la Suez qu'on balance les dragues, balancent les galets, tout ce qu'il y a dans, récupéré dans la mer. Voilà, là c'est l'arrière de la Darse, de Grande Plaisance. Voilà les quais et leur anti-choc, les gros pneus qui protègent les bateaux, la coque des bateaux. Il n'y a pas seulement des pneus d'ailleurs, hein, comme là-bas. Je croyais que c'était des pneus, mais pas forcément. Voilà le petit bateau Synergie là. On s'est rapproché un peu plus près de l'île de la Réunion. Alors l'Issey Geoffroy, la drague. Et voilà ici le Marie-Jeanne. Voilà, en fait il n'y a aucun pneu, c'est des gros caoutchoucs. On va regarder quand même ce qui servait à décharger les céréales par ce long tuyau là. Ici. Voilà, donc on s'est rapproché de l'île de la Réunion, l'Issey Geoffroy, et là une vue plus latérale de la Marie-Jeanne. Voilà donc toujours le slogan juste au-dessus, là c'est le cimetière, donc c'est assez réjouissant. Allez-y vous faire la vie, cimetière. Voilà, c'est avec ce bout d'embout là qu'on plongeait dans les cales des bateaux céréaliers, qu'on remontait donc par en haut, qu'on emmenait dans les stocks alimentaires. Voilà, là on s'est mis devant le Synergie, là. Derrière, c'est l'avant de l'île de la Réunion. Voilà, et la Marie-Jeanne. Voilà, c'était le terminal céréalier. C'était l'autorisation du juin 2002, mais je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Je crois qu'ils ont été mis ailleurs, les entrepôts céréaliers, les silos. Là, ces machines assez énormes. Avec le escalier d'accès, là. En même temps, c'est un pont roulant. Il y a les roues comme une grosse gros chemin de fer. Là, il y en a un autre là-bas derrière. Là, on est assez près de l'île de la Réunion, là. C'est son avant. On essaie de tout prendre, donc on zigzague, là. Là, et son arrière. À les quais. Ceci est un énorme contrepoids là. Île de la Réunion, allez-y vous faire la vie. Voilà, je suis dans la passerelle d'accès qui crisse là. Passerelle d'accès au bateau.
J'adhère le dos des bateaux. Alors là, le Lislay Geoffroy. Là, nous sommes à l'arrière de l'île de la Réunion, port aux Français. Bite d'amarrage. Il faudrait décomposer tout ça, tous les morceaux de pont. Chaque objet. Bouée de sauvetage un peu désuète. Là, un cadenas, je sais pas s'il est de sauvetage. Et là, le filet. Couleur criarde et complémentaire. Les vues d'ensemble ou presque. Voilà le synergie qui se casse. Je profite pour regarder le Lislay Geoffroy. Ah, il passe derrière. Il s'éloigne. Voilà, il va sortir du port. Il se dirige vers les deux jetées là. Au revoir, île de la Réunion. Voilà, donc si c'est le chenal pour aller au port de plaisance. On a les quais là-bas avec les bateaux sur cale. Et là, en fait, voilà, ici, c'est un distributeur de glace, silo à glace, là. C'est pour conserver le poisson frais. Et là, donc, on a un longliner, c'est le Sainte-Marie. Voilà, le Sainte-Marie de plus près. J'arrive pas à le planter complètement dans le... Voilà, si je m'arrête au ras de l'eau, il manque le haut, donc il faut que je continue pour montrer l'antenne. Je redescends. Voilà, elle est garée sur les quais des entrepôts frigorifiques. Alors ceci, c'est pour transporter dans les cales la marchandise avec des grues. Ils mettent tout ce qu'on doit emmener. Déposer. Voilà, le Sainte-Marie. L'île Sainte-Marie de près. En fait, ils vont le remplir de marchandises. Là, il y a un camion qui arrive.